Les deux mains dans le tien inférieur, écoutez votre corps respirer. Quand les bras se lèvent, laissez les coudes et les épaules relâchées. La tête suit cette montée sans entraîner de cassure de nuque ou de soulèvement de la poitrine. Les mains viennent se placer à quelques centimètres du corps au niveau des premiers points du méridien poumon. Les yeux peuvent se fermer. Le regard rempli de l'énergie du sourire intérieur pendule sous vos mains. Revenez au yonkan. Laissez l'espace de la gorge, aussi appelé porte des poumons et palais des cordes vocales, s'ouvrir afin de libérer la tristesse par le son. Accueillez la couleur blanche. L'image d'une grue blanche ou d'un tigre blanc dans vos poumons et respirez en connexion avec l'espace autour. Conduisez l'énergie de la terre vers le ciel. Laissez s'ouvrir tout le haut du corps et les laogongs afin de vous relier à vous dans la rectitude et aux autres dans la communication en chassant la tristesse. Accueillez l'ambiance intérieure dans le calme. Dans le Tao, l'automne renvoie à l'élément métal ou au minéral qui a une organisation moléculaire ordonnée. Trouvez un juste équilibre pour l'énergie de vos poumons et du gros intestin entre le métal qui tranche et organise et ce besoin de quiétude et de lâcher prise. Les deux mains au dantien inférieur, tout le corps est relâché. Soulevez les bras, la main droite se pose en haut des poumons à gauche et la main gauche en haut des poumons à droite. Relâchez les coudes, les épaules et le visage. Laissez les yeux se fermer. Écoutez la respiration naturelle dans vos poumons. Le calme s'installe. Connectez-vous au centre. L'esprit et le corps sont paisibles. Les bras s'ouvrent et montent de nouveau. Les mains se posent en inverse de précédemment. La chaleur des mains va progressivement emplir toute la poitrine jusque dans le dos. Ressentez cette chaleur comme une douce présence, relâchant les éventuelles crispations dans la cage.
Écoutez votre corps. Ce mouvement assouplit la colonne vertébrale en une douce flexion et extension afin de mieux y faire circuler l'énergie connectant le ciel et la terre. Ressentez la reliance des vertèbres du coccyx au cervical, que le mouvement soit ascendant ou en redéroulant à partir de la terre. Dosez la flexion et l'extension du geste à votre mesure. Vivez le mouvement à partir de la sensation du corps qui s'équilibre par la colonne. En travaillant la mobilité de votre colonne, vous améliorez le soutien de bon nombre de muscles, de la tête, ainsi que les organes digestifs qui y sont reliés par les fascias. Accueillez.